Et donc aujourd'hui, il joue un rôle essentiel en termes de... Ça va? Je sais, il y a plusieurs d'entre vous, ils sont intéressés de connaître l'évolution de la guitare que je refais. La Hondo 2, espèce de guitare chinoise qui a un peu plus de 30 ans. Eh ben, je vais te montrer le matériel que j'ai acheté pour mettre dessus. Oui, oui, monsieur, oui. Attends. Alors, qui j'ai acheté? Attends. Une petite déco pour la tête. Oh, un petit sticker. Ça se fait plaisir. J'ai acheté 10 câbles. Parce que comme ça, je pourrais faire d'autres guitares après. J'ai acheté encore du câble. Oui, c'est celui-là avec c'est du tissu autour. C'est génial. Magnifique. Après. T'es toujours là? J'ai acheté encore des câbles. Après. J'ai jeté du cuivre pour blinder les cavités. Ouais, comme ça on peut le tirer dessus. Il n'y a rien à la guitare. Elle est blindée. Ensuite. Bah, les 4 potards avec les petits condos et puis les petits sélecteurs en marque CTS. Oui, CTS, monsieur. Oui, 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 oui. Et ça, avec le volume, c'est vite, 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 vite. J'ai acheté les petits capuchons Gibson pour aller sur les proutards. Oui, 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 oui. Ça va être bien, ça va être beau, ça va être bien. T'es toujours là? Ça va? Ça va? Oui, ça va? Bah. Oui, je me dépêche, c'est bientôt l'heure de l'apéritif, je me dépêche. J'ai acheté un petit pigarde qui je vais être obligé de modifier parce que les micros ils sont plus près sur la Hondo 2. Oh, mais je vais me débrouiller, hein, ça. Je pense que ça va pas être compliqué. Hein. J'ai acheté les petits entourages des micros crème parce que c'est beau le crème. Hein. Et après, voilà quoi, ça va être beau. Hein. C'est les deux mêmes parce que la table, elle est plate sur la Hondo 2. Oui, oui, monsieur. Elle est pas bombée comme sur une Les Paul normale. Elle est plate, plate. Plate. Patété, plate. Bah. J'ai acheté de quoi lui péter la rondelle. Pour mettre autour, tu sais, du secteur, elle fait clou, 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 clou. Quand tu changes le micro, clou, 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 clou. Et ben, ça fait toujours joli de mettre ça. C'est beau. J'ai acheté... les petits capuchons, voilà, petits capuchons. Ouais, allez, bientôt, j'ai pris un pas cher, hein, on va pas s'emmerder, hein, on va pas s'emmerder la couille. Et j'en avais déjà installé un, hein, nickel. Que ça. Ça s'est passé, clic, 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 tu vois, hein, c'est bien. Bibi, après. Alors, j'ai acheté les petits pneumatiques de chez Grovet. Oui, oui, Grovet, tu connais Grovet? C'est comme Grover, mais c'est un V. Moi. Donc les petites pneumatiques, tu vas le coder, se mettre là comme ça, et puis là, tu règles pas une alternation tranquillou. Tu vois, ça c'est beau. Hein en chromé. Oui, oui, chromé, c'est bien chromé. Oui, oui. J'ai pensé à la Ford Europe, puis je me suis dit, oh, chromé, c'est pas mal. J'ai acheté, parce que c'est bien tout ça, mais faut passer les cordes. C'est très bien, mais il faut des mécaniques, mon garçon. Mais oui. Alors, des petits cluscons vintage de Saras. Avec tu machin ou tu lip, tu vois, c'est joli comme ça. Tu vois, c'est beau. Et c'est vintage. On croit c'est vieux. Mais non, c'est neuf. Parce que c'est vintage. Un peu comme moi. Moi, je suis vintage. On croit je suis vieux. Et en fait, je suis vieux. Moi. J'ai acheté parce que
pour aller avec le tuyau pneumatique, il faut bien quelque chose pour que tu mettes les cordes, tu sais, là. Alors, soit tu mets des trucs, bah, t'appuies dessus, et bah, ça fait rien. Et soit tu mets des trucs, bah, t'appuies dessus, et fait, ça fait. Tu vois, bon. Et bah, j'ai acheté la Bex B. B50 pour table plate. Oui, monsieur, oui. Tu vois, tu mets les cordes comme ça, tu fais des vélos, et puis après, tu fais. Tu vois, ça va être bio. Et puis voilà, quoi. Hein, ça va être beau. Après, tu vois, tu fais que ça, tu vois, tu veux. Tu mets que ça, hein, que ça. Ah, tu mets quoi, ah, bon. Et après, et le dernier truc, le dernier petit truc, vos distances, petite fenêtre à grand carreau. Alors, le dernier petit truc, qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Des micros embarqués. Oui, oui, des embarqués. C'est comme le hamburger, mais c'est avec un quai. C'est des embarqués. C'est pour faire plein de bruit, tu vois. Et là, mais oui, mais c'est quoi? Quoi? T'as pas acheté du français? T'es pas gentil? C'est pas bien? T'es pas beau? Bah, je sais, c'est comme ça. Mais j'avais envie de me payer les semouilles de Cannes pour le guette. C'est sexy. Mais pas la guette, monsieur, c'est sexy. Sexy, sexy. Donc voilà, j'ai acheté les micros par la guesse de Seymour Duncan. Et oui, monsieur. Et oui, monsieur. T'as compris? Bon. J'ai pas les cordes parce que j'en ai encore en stock là-haut, tu vois. Et voilà. Et donc, bah voilà. Bah, j'ai acheté différents trucs et différents composants pour pouvoir continuer après sur d'autres guitares, que ce soit les miennes ou que ce soit des guitares de d'autres gens, tu vois. Hein, voilà, voilà. Bah, sinon, à part ça, bah rien. Hein, bon, à plouche. Bonne soirée. Ah, par toi? Non? Bon, bah, je raccroche. Salut!